la commission de réforme des inspections ou des contrôles effectués par l'administration publique auprès des entreprises privées est un organe technique du gouvernement chargé, entre autres, de préparer et de valider l'avant-projet de loi sur les inspections ou les contrôles. Et vous vous souviendrez qu'en octobre 2022, nous avons sorti un décret adopté en Conseil des ministres qui listait les inspections autorisées et non autorisées pour chaque administration envers des entreprises privées. Il y avait des obligations pour ces inspections de respecter un certain cahier de charges. On avait prévu une suite à donner à ce décret pour compléter la liste des inspections. Pour chaque inspection, on devait avoir la liste des pièces autorisées et la fréquence des inspections auprès des entreprises privées. Parce que les entreprises pouvaient passer tout un mois rien qu'à subir ces inspections et tout. Donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission qui est chargée d'une coordination, d'un secrétariat technique. Le but ultime, c'est d'arriver à une loi horizontale. Cette loi va limiter le nombre d'inspections pour que ça soit gradué en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et puis, avec un cahier de charge précis pour ne pas faire subir des poids aux entreprises qui, à juste titre, nous remontent des informations et se plaignent sur le climat des affaires. Instituée par décret 1542 du 13 septembre 2023, la commission de réforme des inspections ou contrôles effectués par l'administration publique auprès des entreprises privées est placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement.